Coucou, alors pour ce vlogmas, on se retrouve pour faire un petit, pas embellissement, mais une petite création, voilà, pour mon partenariat avec In Love Art. J'ai choisi aujourd'hui de travailler cette petite pochette-là. Alors j'ai pris du papier. Alors moi, pour faire du travail comme ça, de petits embellissements, j'aime bien les papiers Action. Donc et puis j'aimais bien cette année celle-ci là, dans les tons roses, bleu poudré, et puis il y a un peu de vert aussi, j'aimais bien. Donc j'ai choisi de faire ça avec cette collection là. Et pour les cartes, je sais que c'est très bien au niveau des papiers. Par contre, j'aime moins les papiers Action au niveau des albums. Mais bon, ça, après, c'est les goûts des couleurs. Voilà, c'est comme ça. Là, on va couper le dies. Donc, je vous remettrai la référence en barre d'infos. Hop, je vais essayer un passage, mais normalement, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant puisque c'est coupé. Alors, j'ai pas préparé. Ouais, ça s'enlève très bien. Donc, voilà. Hop. Voilà la découpe. Alors, vous avez là les petits traits pour faire les plis. Donc, c'est parti. Pareil avec le papier Action, au niveau des plis, il faut faire attention, je trouve, qui se casse assez facilement. C'est pour ça que moi, je ne prends pas pour les albums. Ça se manipule plusieurs fois, quoi. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc là, j'ai pas dû couper bien droit. Enfin, pas couper, mais plier bien droit. On rattrape. C'est pareil. Donc là, on va coller la petite pochette. Ça fera peut-être un petit truc de plus dans la chaussette, je sais pas. Je sais pas où je vais, donc je sais pas ce que ça va donner. Faut laisser sécher. Donc après, bah là, moi j'ai bien envie. Alors soit je mettrai, faut bien laisser sécher, un petit sachet de thé, ou bien je sais pas, à voir, à voir. Au niveau des décorations, alors je vais mettre ça là. L'année dernière, j'ai ressorti, parce que moi je mets tout dans une boîte. Noël, une fois que c'est terminé, bah, moi je ne garde pas dans ma Scrapro, hein, je mets dans une boîte et puis je redécouvre l'année d'après, et je trouve que c'est plutôt un bon système. J'avais la collection de Prima Marketing. Alors c'était Santa Baby, et voilà, et il me restait plein de choses, donc j'ai bien envie, je trouve que ça va bien avec le papier. Donc j'ai bien envie de faire ma petite décoration comme ça. Voilà, alors, je vais même pas ancrer les papiers. Hein. Donc j'ai des petits puffis comme ça que j'avais pas. Si, j'en ai peut-être utilisé un. Des chipboards qui sont très beaux. J'ai des petits flocons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, des die cuts. Voilà. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc je vais laisser sécher avant de décorer. Je vais faire un petit, une petite étiquette avec, avec ce set-ci, pareil, de chez In Love Craft. J'ai pris ces deux-là et puis ces deux petits papiers du même
Hop, album. Donc je vais faire le plus grand avec les sapins. Et le plus petit avec celui-ci. Désolée, ça fait boucher un petit peu la caméra. Du premier coup, hop, impeccable. C'est vraiment sympa ce dies. J'aime beaucoup. Et celui-ci, hop. Là, je vais prendre mon petit tampon, là. Je vais faire un Merry Christmas avec de la poudre embossée. Hop. Alors, je vais les poser comme ça pour voir ce que ça donne. Vers sa marque. Là, j'ai pris celle-ci là que j'ai acheté à une once de scrap de Stamp and Douce et c'est Shabby White que j'ai pas encore essayé. Donc là, je pense qu'avec ce thème, ça peut être sympa. C'est de l'écriture. Alors, je sais pas si ça va. Il n'y a que le, avec l'écriture, j'ai pas l'impression que les petites boules blanches restent. Il n'y a que le doré. En tout cas sur l'écriture fine, il faut voir ce que ça donne une fois cuit. Ça donne ça. Alors, c'est pas très lisible, hein, je vous avoue que là, je pense pas que je vais le garder comme ça. Voilà, donc je crois que je vais en faire une autre petite étiquette. Bon, là je l'ai fait avec simplement de la poudre dorée, donc chez Zing là. Voilà, bon là c'est beaucoup plus visible que là, hein. Je pense que cette poudre elle est pas faite pour les écritures. Donc je vais mettre ça comme ceci. Morceau de mousse 3D. Voilà, c'est vraiment tout simple, mais des fois on n'a pas besoin de faire des trucs très extravagants pour faire de jolies choses. Même comme ça serait pas mal. Voilà. Et là, on va décorer. Donc là, je vais faire une petite bordure en dentelle, comme ça. Hop. Je vais rajouter une petite guirlande de perles là.
J'avais préparé d'autres choses, mais entre temps, part pour les oreilles. Voilà. J'avais envie de mettre aussi des petits pistils là, pourquoi pas. J'en ai plein des pistils blancs là. Je les trouve très mignons. Là, j'ai choisi les petits chipboards. Moi, j'aime bien mettre un petit coup de colle. Ça ne tient pas toujours correctement. Et là, pour cacher un petit peu ça, un petit cœur, pourquoi pas. Et bien voilà. On va même décorer là, pourquoi pas. Je vais décorer avec un chipboard Père Noël. On va rester simple là. Et puis je trouve ça plutôt mignon. Petit embellissement Merry Christmas. Voilà pour mon petit projet du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.